BGE, premier réseau d'accompagnement à la création d'entreprises, vous présente votre émission. Le 3 juin 2023, le 12 Faubourg Saint-Laurent à Villeneuve-sur-Yonne accueillait Candidator, un concours d'humoristes créé par René-Marc Gage qui permet de découvrir les futures stars du stand-up. En fait, Candidator, c'est un concept qui est à Paris, qui est à Lyon. C'est un grand concours national qui est organisé chaque année. Et donc, entre Paris et Lyon, ils font une halte à Villeneuve-sur-Yonne ce soir avec les gagnants 2018-2019 qui sont déjà soit signés en tournée ou produits. Donc on a beaucoup de chance. Bienvenue au soir et du spectacle de Villeneuve-sur-Yonne. Alors Benjamin Pays, en fait, qui est le plus jeune, passe en premier. Et Benjamin, c'est un ancien aide-soignant, donc qui est complètement déjanté, qui vient nous faire un petit peu une vue extérieure du milieu hospitalier, mais c'est très caustique, c'est très très drôle. Pour faire une petite prise de sang. Alors les gars, toujours en milieu d'un sommaire sexy. Caroline Seba, c'est un rouleau compresseur. Voilà, ceux qui vont l'avoir ce soir, c'est juste un truc de dingue. 7-8 ans de Club Med avant, elle est au Théâtre du Marais à Paris à la rentrée, donc on a beaucoup de chance de la voir. Et enfin, on termine en apothéose avec Romain Bareda, que vous pouvez voir sur YouTube actuellement, qui cartonne. Il est en tournée dans toute la France. Et là aussi, normalement, les gens devraient être debout à la fin, j'espère. Avec cette soirée, Emmanuel souhaitait créer un véritable moment de partage avec de belles ambitions. C'est une soirée Cendrillon. Donc normalement, il y a une soirée Belle au bois dormant à l'automne. On a prévu déjà une date et en fonction de ce que vous nous renvoyez les gens ce soir, l'ambition c'est de faire une deuxième, peut-être une troisième pour voir si on peut développer ce concept de manière beaucoup plus régulière. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez retrouver les différents artistes sur les réseaux sociaux.